Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Déterminé à faire des débuts réussis en boxe anglaise, Francis Ngannou ne veut rien laisser au hasard avant son combat face à Tyson Fury. Pour ce faire, le Camerounais est allé jusqu'à soumettre une grosse demande à une véritable légende en la personne de Mike Tyson. L'ancien champion du monde des poids lourds n'a pas mis longtemps avant de réagir. Certes, il est l'un des combattants les plus terrifiants au monde, et il a dominé la scène des poids lourds à l'UFC pendant des années. Il n'empêche que Francis Ngannou va débarquer en terrain inconnu face à Fury le 28 octobre prochain. Le natif de Bâtier va ainsi disputer son tout premier combat de boxe anglaise, tandis que son adversaire est nul autre que le tenant du titre chez les poids lourds. Autant dire que celui qui a battu Cyril Gane en janvier 2022 ne part pas favori dans cette affiche XXL. Un constat parfaitement illustré par des cotes de paris bien humiliantes. L'intéressé est conscient qu'il est en désavantage, et c'est pour ça qu'il ne veut rien laisser au hasard. Comme il l'a expliqué au micro de TMZ, il ne dirait pas non à un coup de main de la part de certains gros noms de la discipline pour se préparer. Il a déclaré « Je pense que recevoir des conseils ou une formation de Mike Tyson serait bien. Je pense aussi à quelqu'un comme Lennox Lewis qui pourrait être bon. J'adore son style de boxe, très basique mais très pointu et efficace. » Le Predator qui se ferait entraîner par Iron Mike, plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire. Figurez-vous que ce ne serait pas pour déplaire à la superstar, comme il l'a confié récemment. Voilà ses mots, je veux bien faire ça, ce serait cool. J'aimerais ça, j'aimerais lui donner un coup de main. Grand spécialiste du KO ultra violent, lui qui a remporté 44 victoires de cette manière, Tyson savait enchaîner les coups, comme personne et ça pourrait bien servir au Camerounais face au Gypsy King. Pour Kid Dynamite, Ngannou doit d'ailleurs attendre que Fury décoche une frappe de loin pour agir. Une réunion pourrait donc bien avoir lieu, les deux hommes s'étant déjà rencontrés par le passé. Francis Ngannou ne part pas du tout favori face à Fury, expérience en boxe anglaise oblige. Mais le Camerounais va peut-être pouvoir combler certaines de ses lacunes grâce au conseil de Mike, si ce dernier venait effectivement à l'entraîner. Un tel renfort ne serait en tout cas pas du luxe avant le combat à Riyad. Parmi les meilleurs combattants MMA au sein de la division des poids lourds, Cyril Gane effraie toutefois beaucoup moins de monde depuis sa défaite face à John Jones. Un combattant de l'UFC n'a d'ailleurs pas hésité à salement menacer la star française récemment, expliquant qu'il était capable de lui faire passer un très sale quart d'heure. 2 minutes et 19 secondes. Voilà combien de temps les combats de Thomas Spinal durent en moyenne depuis qu'il est à l'UFC. Le natif d'Atherton est un spécialiste des joutes express et généralement, elle termine souvent avec lui en vainqueur. L'UFC Londres en est la preuve parfaite, puisqu'il y a mis KO son adversaire Marcin Tybura en 70 secondes à peine, chrono en main. Fort de ce succès tonitruant après un an d'absence sur blessure, l'intéressé a décidé de frapper fort en mettant directement au défi Cyril Gane de John Jones. Ce à quoi le Français a répondu en lui conseillant de faire attention à ce qu'il souhaite. Autant dire que le trash-talking est déjà de mise entre les deux hommes. En conférence de presse, Aspinall en a d'ailleurs rajouté une couche sur Bon Gamin. Pour commencer, le journaliste lui a posé la question suivante. « Tu as parlé de Paris, on t'a vu affronter Spivak auparavant, et on sait comment ça s'est terminé. » Cyril a tweeté que tu devrais faire attention à ce que tu souhaites, et qu'il te verra à Paris. « Comment penses-tu qu'un combat contre Cyril se passerait ?» Aspinall a répondu en disant « Je ferais mieux d'être prudent apparemment. Ouais, je pense que je me débrouillerai plutôt bien contre lui. Je pense que je suis aussi rapide que lui, je me déplace aussi bien que lui. » La différence c'est que je sais faire du grappling, et j'ai beaucoup de puissance. Je pense que c'est assez indéniable, à ce stade de ma carrière. J'ai beaucoup de KO à mon palmarès mon pote. Il me suffit de te toucher une fois, et je ne cherchais même pas à envoyer des coups puissants ce soir. Je pensais que ça allait durer 5 rounds, je n'avais pas prévu de le mettre KO. Je ne plaisante même pas, un coup c'est tout ce qu'il faut chez les poids lourds, surtout si c'est moi qui l'envoie. Difficile de faire plus terrifiant comme avertissement envers le natif de La Roche-sur-Yon. Ce dernier se fait d'ailleurs encore une fois épingler pour sa lutte au sol, lui qui s'est fait humilier, dans ce domaine par de jeunes jaunes en mars dernier. Son combat contre Spivak sera l'occasion de voir s'il a réalisé des progrès dans ce secteur ou non. Quoi qu'il arrive, son homologue britannique est prêt à en découdre. Thomas Spinal est connu pour ses victoires rapides, mais aussi pour ses KO violents, y compris face au futur adversaire de Cyril Gane. Il est donc très confiant en ce qui concerne sa puissance et pour lui, un seul coup bien placé suffirait à terrasser Bon Gamin.
nul doute que ce dernier ne serait pas contre le renvoyer à ses études dans la cage.